Bien, salut à tous, c'est Max Scorpio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse vidéo des unboxings des crampons de foot. Donc, c'est pas d'équipe stock, je vous avais dit dans ma dernière vidéo où je faisais le tuto sur la roulette. D'ailleurs, je remercie la fille qui m'a laissé un commentaire, franchement, merci, c'est sympa. Donc, je vous avais dit dans ma dernière vidéo sur le tuto de la roulette que je ferai une vidéo unboxing de mes crampons de foot Keepsta. Sauf que des Keepsta, il n'y en avait plus, du coup j'ai pris des Pumas. Enfin, à la base, je voulais les Keepsta parce qu'elles étaient moins chères. Et ensuite, j'ai vu que les Pumas que j'ai achetées là étaient en promotion. Donc, à la place de 60 euros, elles étaient à 30 euros. Donc, c'était vraiment raisonnable. Voilà. Donc, je les ai achetées Intersport. Vous pouvez le voir ici, c'est marqué là, Intersport. Et je les ai achetées, du coup, 51, 98 euros. C'était le total parce que j'ai pas acheté que ça. J'ai acheté aussi une paire de chaussettes. Je vais vous la montrer. Hop là. Donc voilà les paires de chaussettes. Donc c'est des Pumas. J'en ai une au pied. Hop. Donc c'est des mi-hautes. Voilà. Des Pumas. Hein. Voilà. Hop là. Donc, vu que c'est dévissé, ils m'ont donné une petite clé de chez Adidas. Voilà. Excusez-moi pour le bruit, c'est le bruit de. Il y a dehors, il y a un bruit qui vient de se faire. Donc voilà. Et aussi, ils m'ont donné une carte de fidélité. Intersport, où à chaque fois que vous payez un truc, vous passez. Donc voilà. Donc les chaussures, c'est ceux-là. Donc c'est les Evo Power 4, les vertes. Vous pouvez voir, c'est marqué là. Evo Power 4. Voilà. Donc les vissés, vous pouvez le voir, les crampons fer. Vu que je joue à 11, on n'en a droit qu'à 6. Donc voilà. C'est du 41. Je sais pas si vous allez bien voir l'étiquette, mais. Voilà, donc elle est assez flexible. Ça va. Donc, un crampon, ça ressemble. C'est dans les huissiers, voilà. La chaussure sans crampon, ça ressemble à ça. Donc, en gros, dedans, il y a une espèce de vis. Et ensuite, vous, hop, vous vissez. Et un crampon, ça ressemble à ça. Donc, en fait, c'est une partie en. Donc, ça, c'est du plastique, je crois. Avec une vis. Et au bout, il y a le métal. Qui fait que ça accroche. Voilà. Vous pouvez le voir là. Et au bout, bah, vu que c'est des Pumas, il y a le signe Puma. Donc, je vous mettrai une photo là. Voilà, ici, là. Là. De moi quand je les porte. Donc voilà la photo. Donc je remonte le crampon. Voilà. Et le vendeur m'a dit que à chaque utilisation, je devais les resserrer. Et quand j'avais terminé mon entraînement, ben je devais les redévisser. Voilà. Pour pas que ça abîme le pas de vis. Donc le pas de vis, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà la deuxième paire. Hein. C'est les mêmes. Donc voilà. Donc du coup, bah, ça va être la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus. Laissez un petit commentaire en disant si vous aimez mes vidéos. Voilà. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut tout le monde!